Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, de retour. Voilà, j'ai fait mon petit aller-retour dans la journée hier pour amener mes affaires à Bruxelles. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, avant tout, je voulais vous remercier des commentaires. J'ai répondu aux questions, j'ai donné des indications, notamment sur Bruxelles. Et donc voilà, donc si vous voulez me poser des questions voilà, par rapport en fait aux librairies, aux lectures, aux colliers que je fais en fait, qui sont des colliers d'ancrage, hein, je vous dis, ça fonctionne super bien avec la date de naissance. Et donc voilà, donc j'ai répondu à la personne qui m'a posé aussi une question. Donc voilà, pas de problème, évidemment, même à Bruxelles, je fais des colliers. Donc on va commencer tout de suite. Alors je tiens donc à avertir les personnes qui arrivent sur ma chaîne que je fais de la quibomancie, donc juste avant la vidéo ou pendant la vidéo. Là en l'occurrence j'ai choisi trois livres. Donc pour les personnes qui veulent le tarot, écoutez, vous avancez mais vous n'allez rien comprendre parce qu'évidemment tout est cohérent évidemment en tout cas dans ce que j'essaie de présenter. Après c'est une chaîne de connaissance de soi, donc la connaissance, ça commence par les livres. Hein. Bon, désolé pour les feignants, mais c'est comme ça. Donc en fait, j'ai commencé avec donc, Le bouddhisme au quotidien. Voilà, c'est un super livre que je vous recommande. Ça paraît un peu, on va dire, un peu simplé, puis en fait, c'est super. Hein. Voilà, de Nathalie Chassériau. C'est vraiment bien, être bien avec soi et les autres, hein, c'est quand même, c'est pas le but, mais c'est le chemin en tout cas, voilà, avoir une voie positive. Alors j'ai ouvert, comme je fais d'habitude, hein, évidemment, et là je suis tombée en fait sur les conseils pour exercer son discernement. Donc voilà, puisqu'il y a des gens qui sont dans l'ajna. Alors je tiens à dire que l'ajna, c'est pas du jour au lendemain, on n'appuie pas sur un bouton, hein, et voilà, c'est pas une télé qui s'allume comme ça. C'est step par step, hein, voilà, c'est pour ça qu'on a les stupas, c'est des symboles en fait en Asie pour montrer qu'il y a bien en fait des marches en fait qu'on doit monter une à une, hein, et non pas quatre à quatre parce que sinon on se tord la cheville et on descend à zéro. Donc voilà. Et donc là, en fait, il y a des personnes qui vont avoir évidemment du discernement, ou en tout cas qui essayent de trouver, d'exercer leur discernement dans leur réalité. Hein, c'est pas facile. Hein, la tâche est loin d'être facile et donc elle demande qu'on y réfléchisse vraisemblablement très attentivement. Alors, pour prendre une initiative, octroyez-vous toujours un temps suffisant de réflexion quant aux effets immédiats ou à plus long terme que votre action pourra avoir. Rejetez toute activité susceptible de se révéler nuisible, même si au premier abord, elle vous avait semblé très attrayante. Si vous vous débattez dans un dilemme, hein, c'est-à-dire si vous êtes dans le mental, sans arriver à prendre de décision, faites une séance de méditation. Laissez votre esprit tranquillement se reposer, puis visualisez les deux situations qui s'offrent à vous. Donc, de quel côté penche votre cœur, évidemment, votre chakra du cœur et non pas votre mental. Donc, votre altruisme et votre compassion. Analysez soigneusement les motivations qui vous porte à choisir une option plutôt qu'une autre. Voilà, et là, vous allez vous rendre vite compte si vous êtes, on va dire, dans une blessure d'abandon, dans une blessure de rejet, dans une blessure d'humiliation. Enfin bon, bref, faites confiance à Lise Bourbeau. Et quand une personne vous fait une proposition, eh bien, vous faites un peu comme avec votre pensée, vous observez la proposition de l'autre et vous l'écoutez avec un maximum d'attention. Donc là, il ne faut pas être superficiel, hein, c'est fini tout ça. Interrogez-vous sur ses intentions réelles. Agit-elle par intérêt personnel, c'est-à-dire est-ce que cette personne en fait vous fait une proposition parce que vous avez vachement de fric ou vous avez 10 immeubles Avenue de la Paix, enfin, vous voyez ce genre de choses, ou est-ce que c'est fait vraiment avec le cœur? Voilà, donc voilà, est-ce que cette personne agit par intérêt personnel, hein, c'est-à-dire elle est là pour vous soutirer du fric, ou parce qu'elle souhaite vraiment partager quelque chose avec vous? Donc voilà. Alors, on nous parle aussi que l'argent est un outil, donc il ne faut pas s'identifier à l'outil, évidemment, on ne s'identifie pas une clé à molette, hein, les amis.
C'est pas très classe. Et donc, en fait, l'argent occupe une place si importante dans nos esprits et dans nos vies que nous tendons parfois à le diaboliser, à le rendre responsable de tous nos malheurs et avoir un sentiment d'injustice. Alors, souvent, évidemment, quand votre nom est associé à votre argent, bon, bah, alors là, vous faites bingo, hein, vous cochez vraiment toutes les cases. Donc, détrompez-vous, hein, nous dit Bouddha, la richesse est le signe d'un bon karma. Elle indique que la personne a été généreuse dans une autre vie. Donc voilà, donc arrêtez de vous culpabiliser donc avec, on va dire, peut-être l'argent. Soit vous en avez, soit vous n'en avez pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de culpabilité chez certains. Et bien sûr, ce n'est pas l'argent qui vous mènera à l'éveil. Avoir de gros moyens ne sert à rien si on ne l'utilise pas pour aider les autres. Alors là, on est un peu dans le côté un peu catho, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on confond, on va dire, la bonté avec la félicité, hein, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais enfin bon voilà, en passant, comme le dit le Dalai Lama, les riches ne sont pas des individus différents des autres. Et oui, il sait de quoi il parle puisque lui est entouré de riches. Ils n'ont qu'un estomac à remplir, que 10 doigts à enfiler des bagues. Voilà. Oui, enfin bon, c'est une vue de l'esprit, évidemment. Moi, en tout cas, je ne partage pas cette opinion. L'argent procure du plaisir et donne de l'énergie, mais aussi des préoccupations. Oui, et puis en général, quand vous êtes dans la maladie, il vaut mieux avoir de l'argent que qu'être très très pauvre. Voilà, sinon on a les super vaccins de Bill Gates, hein, et puis bon, bah, ça tourne mal, évidemment. On en voudrait toujours plus, on vit dans la peur de le perdre, on s'expose à des jalousies. Bah oui, la jalousie, même quand on n'a rien, il y a toujours des jaloux en fait pour vous coller au basque. Notre relation à l'argent en dit long sur nous-mêmes et sur nos aspirations. Elle mérite donc que nous y réfléchissions. Alors visiblement, c'est pour aujourd'hui, les amis. Alors, l'erreur à ne pas commettre, s'identifier évidemment à son compte en banque ou identifier votre ami ou votre petit ami à son compte en banque, hein, c'est vraiment pas très chic tout ça. L'une des aberrations de la condition humaine consiste à mesurer l'importance et la valeur d'un individu, à commencer par soi-même, à l'aune de ses moyens financiers. Donc évidemment, c'est une aberration, hein. Vous ne ressemblez pas à un billet de banque, hein, même si vous avez des gens autour de vous qui pensent que vous n'êtes qu'un billet de banque. Cette aberration ne date pas d'hier, mais jamais comme aujourd'hui, la confusion entre avoir et être n'a été aussi flagrante. Oui, et puis bon, bah, le Dalai Lama, on va dire, en tout cas, les gens qui l'entourent, hein, eh ben, ils sont un petit peu là-dedans aussi, mais ils font genre, voilà, genre on n'y est pas, hein, mais on y est quand même dedans. Suivez mon regard sur ceux qui écrivent sur le Dalai Lama. Alors, l'argent est un outil indispensable et il n'y a rien de répréhensible à en vouloir plus, évidemment, mais enfin, vaut mieux en tout cas vouloir des choses que véritablement. Avoir envie de les posséder, vous voyez, donc voilà, évidemment, c'est le chemin plutôt que le but, hein, voilà, parce que le but, évidemment, on est dans le mental, tandis que le chemin, on peut être éventuellement sur le cœur. Mais si nous en faisons le principal but de notre existence, il peut devenir très dangereux et nous éloigner de la seule vraie richesse, notre dimension spirituelle. Bah, si on en a une, évidemment, en nous attachant toujours davantage au plaisir illusoire et passager du samsara. Bien avant la naissance de Bouddha, les ascètes mendiants indiens avaient compris ce danger et donc, pour suivre en paix leur chemin spirituel, ils quittaient leur maison, abandonnaient tout ce qu'ils possédaient et partaient sur les routes, respectés et nourris par tous. C'est précisément ce qu'a fait Siddhartha, qui ne serait jamais devenu l'éveillé s'il était resté dans le luxe de son palais princier. Il faut comprendre aussi que Siddhartha est sorti, enfin est parti en tout cas de chez lui et donc sur le chemin de l'éveil parce que il avait notamment constaté, donc ça c'est pas dans le bouquin évidemment, notamment constaté qu'il y avait que les gens en fait souffraient par ignorance. Et donc, en fait, il a voulu, ça c'est dans les fleurs de Bouddha, évidemment, hein, dans ses écrits, et donc il a voulu éradiquer la souffrance par, évidemment, éradiquer en même temps l'ignorance, hein, puisque tout est lié, plus vous êtes ignorant, plus vous êtes dans la souffrance, il faut le savoir. Voilà.
Bon, bah, je ne parlerai pas de Milarepa, hein, voilà, avec la grotte glaciaire de l'Himalaya qui vécut d'un morceau de chiffon. Et donc, qui disait, pour moi, tout est confortable. Voilà, donc ça, c'est le bouddhisme au quotidien. Et alors, après, bon, alors, il ne faut pas avoir mal au crâne, hein, mes amis. Après, on va passer à Gaston, hein, Gaston Bachelard. Là, on va arriver carrément dans le mental et, on va dire, dans la philosophie des Lumières, hein. Mais là, c'est intéressant, c'est la philosophie du non. C'est-à-dire, c'est quand on a tourné, tourné, tourné dans le mental, et eh bien, finalement, on se dit que, eh bien, il faut peut-être dire merde au mental. Alors justement, on parle du réel, donc la philosophie du non nous dit, le réel n'avait qu'à être montré. Alors j'ai ouvert ce livre aussi avant la vidéo parce qu'il fallait quand même que je lise au moins une fois la page. Avant de vous en parler, j'ai pas envie de dire non plus trop de bêtises sur Gaston, hein, bien sûr. Donc, il était connu dès qu'il était reconnu dans la nouvelle philosophie des sciences. Il faut comprendre que l'attribution d'une qualité à une substance est d'ordre normatif. Bon, ben voilà, donc on est tous dans la norme dès qu'on est dans le mental, hein, c'est ce que ça veut dire. Bon, c'est un petit peu abscon, mais ça veut dire ça. Je vous fais la traduction. L'attribution fixe des possibilités cohérentes. Le réel est toujours un objet de démonstration. Voilà, donc en fait, ça s'appelle l'empirisme, hein, on n'a rien inventé. Bien entendu, l'usage normatif de la catégorie de substance est encore très restreint. La substance, alors la substance, voyez, pour Gaston, c'est votre pensée. Voilà, votre pensée dans la réalité. Voyez, donc voilà, ça, c'est ça la substance. Dans un usage usuel, reste le prétexte aux descriptions anarchiques. Mais l'intérêt pragmatique ne décide pas de l'intérêt philosophique. Hein. Oui, bien sûr, bah, le réel est quand même, voilà, il est quand même présent. Hein. Il y a deux choses qui sont réelles, hein, c'est la vie et la mort. Vous voyez, donc après, votre pensée, c'est quand même quelque chose d'assez impalpable. Vous voyez, donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Si tout philosophe instruit des conquêtes récentes de la pensée scientifique, alors là on va se heurter, la philosophie se heurte à la physique quantique, voulait bien faire le profil épistémiologique de sa notion de substance, elle reconnaîtrait qu'à côté d'une énorme bande réaliste viennent d'apparaître une région rationnelle et une région surrationnelle, où la catégorie de substance est dialectisée et normalisée. Donc là, on sent qu'il y a une distorsion en fait au niveau du réel. Et visiblement, pour Gaston, il y a un truc qui ne va pas. Donc l'unité de la substance qu'une ontologie primitive, supposée sans discussion, n'est plus qu'une vue schématique qui empêche souvent d'ordonner le pluralisme des états différents d'une substance. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement dans les normes qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a éventuellement plusieurs possibilités ou plusieurs points de vue, hein, évidemment. Bon, ben ça c'est la société très cartésienne, hein, voilà. Française notamment, enfin, ou la société, on va dire, des blancs, entre guillemets, c'est-à-dire en fait, on a une dualité du mental tellement importante qu'en fait, on a du mal à ne pas être dans le jugement, même quand on est sur quelque chose d'objectif. Donc, pour une philosophie qui part comme il convient de règles méthodologiques, la substance doit être un plan d'observation. Donc là, ils essayent de faire comme les scientifiques. Elle doit disperser en suivant une règle précise l'ensemble de ses observables, les différents cas de son observation. Donc voilà, je vous dis. On essaye de faire comme les scientifiques, mais on a beaucoup de mal. Donc, une substance est une famille de cas. Elle est essentiellement, dans son unité, un pluralisme cohérent. Voilà. Alors là, on arrive évidemment à l'unité, hein, l'unité qu'on trouve dans la physique quantique. Voilà. Donc, la philosophie aussi, ben, on est dedans. En fait, on est dans les lois quantiques. Hein. De toute façon, tout arrive là-dedans pour qui sait attendre. Hein. Telle nous apparaît du moins la leçon métaphysique qu'on doit tirer des méthodes diraxienne. Voilà, bon, c'est très curieux de décrire de cette manière-là, en tout cas, voilà. Mais en attendant, bon, métaphysique, physique quantique, bon, on ne sait plus où mettre les mots, hein, voilà, pour Gaston Bachelard. Mais en tout cas, il a le mérite, lui, de dire non, visiblement, à une façon de penser qui, pour lui, visiblement, est arriérée. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a la philosophie du non. On dit non, en fait,
à ce mode en fait de pensée, en développant une philosophie de non-substantialisme, hein, on arrivera ainsi insensiblement à dialectiser la catégorie d'unité. Voilà, alors là on y est. Autrement dit, on arriverait par ce détour à mieux faire comprendre le caractère relatif de la catégorie d'unité. Voilà. En fait, une des modifications les plus importantes, alors je vous dis, c'est hyper important pour les philosophes parce qu'ils sont quand même beaucoup dans la dualité, et c'est pour ça en fait que souvent on tourne en rond, et souvent la philosophie en fait est une forme d'idéologie, évidemment, puisqu'en fait on se coupe, on va dire, du côté justement métaphysique, et ça c'est complètement révolutionnaire, hein, chez Gaston Bachelard évidemment, parce que lui il va aller à l'encontre de visiblement de la philosophie telle qu'en fait on la comprend. Voilà, donc en fait une des modifications les plus importantes apportées par la physique quantique dans la phénoménologie a été le soudain affaiblissement de la notion d'individualité objective. Bah oui, l'individualité c'est quand on sépare les individus, même si on peut être objectif, en fait tout est subjectif évidemment, et surtout quand on est dans la séparation. Donc voilà, donc en fait, bon bah écoutez, ils ont essayé de disséquer, mais ils ne sont pas arrivés. Donc là, on retourne à l'unité, hein, et donc on a de la chance pour les philosophes, on a la physique quantique. Donc la physique quantique, comme le montrent très clairement Einstein et Hirschfeld, traite uniquement d'ensemble, et ses lois concernent des foules et non des individus. Donc on se rend compte que on est dans un tout. Alors justement, c'est ça qui est intéressant par rapport aux énergies, on va dire, actuelles, c'est qu'évidemment, en fait, vraisemblablement, les individus ne se définissent plus, en fait, par rapport à une individualité ou par rapport à leur compte en banque, hein, pour faire très rapide. Ils sont en train de, finalement, de s'unifier. Ils sont en train de se dire, bah, finalement, je peux pas y arriver tout seul, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, en fait, Einstein et Hirschfeld reviennent un peu plus loin sur la même formule et ils ajoutent « Dans la physique quantique, ce ne sont pas des propriétés, mais des probabilités qui sont décrites. Elles ne formulent pas des lois qui dévoilent l'avenir de systèmes, mais des lois qui régissent les changements des probabilités dans le temps et se rapportent à de grands ensembles d'individus. » Donc voilà, là, on vient de définir ce qu'est la cartomancie, mes amis. Voilà comment on tire les tarots. Hein, ce sont des probabilités qui sont décrites et on dévoile l'avenir de systèmes qui sont en fait des changements de probabilité dans le temps. Alors après, c'est à vous de faire que votre passé ne soit pas votre futur, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait c'est une physique de foule. Alors évidemment avec Bachelard, parce qu'on est quand même beaucoup dans la sociologie, enfin la philosophie sociologique, donc en fait on repart sur une sorte de sociologie de la physique. Donc voilà, on essaye de mettre l'un dans l'autre, on essaye de voir si la physique quantique s'emboîte dans la philosophie. Bon, ça marche pas trop. Et donc là, c'est assez intéressant, vous voyez, parce que dans la philosophie du nom, donc voilà, la philosophie du nom, c'est dire merde au mental, hein, mes amis. Eh bien, si la philosophie contemporaine fait usage de la statistique, on peut être sûr qu'elle va en pluraliser les méthodes. En fait, voilà, bon, ça c'est hyper intéressant évidemment. En fait, ce qui est arrivé dans les divers principes statistiques de Bose, d'Einstein, de Fermi, évidemment Fermi c'est les fermions, hein, je vous en ai déjà parlé, avec la brisure de symétrie, les sept vases dans le Zohar, etc. Mais cette multiplication en quelques matières horizontales qui met les statistiques les unes à côté des autres est peut-être à la veille d'être dépassée, vous voyez. Donc en fait, on va dire que la philosophie est dépassée par une multiplication en profondeur qui porterait la dialectique au principe même de toute doctrine probabilitaire. Et oui, bien sûr, eh bien notre réel, c'est un monde de probabilités. Après, il vaut mieux avoir les probabilités hautes que les probabilités basses. Voilà, essayons de faire pressentir l'importance philosophique de cette révolution. Donc, il y a quelque chose qui se... on va pas suivre Lavoisier pour une fois. Et donc voilà, donc ça c'est la philosophie du nom pour ceux qui veulent se mettre le mental, faire des nœuds dans le mental, hein, voilà. Mais là en l'occurrence c'est assez intéressant parce que c'est une véritable révolution de penser évidemment qu'il y a un univers unifié et évidemment un être humain unifié. Donc on est aussi
dans ces énergies aujourd'hui. Et je vais terminer par vision regard sur le chamanisme de Yann Kounen. Bon, alors on aime ou on n'aime pas, en attendant c'est intéressant. C'est de l'expérience, mes amis, il n'y a pas de jugement à avoir. Donc là, en fait, il parle de l'ayahuasca, voilà, qui peut être destructrice, mais ce n'est pas le plus intéressant. Bon, pareil, j'ai ouvert ce livre comme ça, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement, à travers ça, en fait, il est en train de décrire les chemins tortueux de la psyché humaine. Donc voilà, on est tous dans le chemin pour trouver la lumière, hein, voilà. Donc après il y a différentes méthodes, hein. Moi je vous encourage pas à faire l'ayahuasca parce que vous avez pas dans votre ADN des choses en fait qui peuvent, on va dire, prétendre à cela, et c'est justement ce qu'il explique. Alors, donc en fait, ils sont pour moi les seuls à avoir la connaissance de l'utilisation de cette plante. L'ayahuasca, les chamans sont des êtres qui ont touché le soi, souvent mentionné par les textes orientaux. Ils vivent dans un univers métaphysique particulier. Oui, parce qu'ils sont déjà imprégnés au niveau de leur ADN de ce genre de choses. Ils ne font que, on va dire, réactiver des mémoires de leur arbre transgénérationnel. Hein. Chacun a un ADN et vous êtes unique, hein, je vous rappelle. Hein. Et vous faites partie d'un tout, hein, évidemment, on est tous dans la même soupe. Alors, lors de ma rencontre avec ces guérisseurs indigènes, j'ai découvert, hein, qu'aucun modèle préétabli n'existait pour nous aider à les comprendre. Notre système de valeurs va les juger. Donc voilà, nous, bon, en Europe, bon, les Blancs et tout ça, enfin, tous les gens qui ont des structures mentales un peu comme ça, où on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental, évidemment. C'est ce que dit Gaston Bachelard aussi. Eh bien, nous, nous jugeons. Un jour, ils seront de grands maîtres, le lendemain des fous et le jour d'après des démons. Vous voyez, donc en fait, les pauvres guérisseurs, ils passent d'un extrême à l'autre. Peut-être que les cartomanciens ou les gens qui font qui tirent les cartes, tout simplement, ben, un coup, en fait, vous dites que c'est des grands maîtres, le lendemain, c'est des fous, après, c'est des démons. Enfin, bon, bref. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Et nous projetons inconsciemment les tourments de notre âme sur les guérisseurs. J'ai d'abord cru Guillermo, bon ben voilà, immortel, puis voleur d'âme. J'ai connu des instants de terreur immense, tendant un matin ma main vers lui pour l'appeler à l'aide, la main d'un fils autoproclamé, mais il s'est détourné, il ne voulait pas de cette relation, hein, évidemment, relation de dépendance affective. Quand on est guérisseur, on n'en veut pas, hein, c'est normal, puisqu'en fait... Il y a des gens qui sont trop dans l'émotionnel, et c'est pour ça que d'ailleurs, possiblement, les textes sacrés, ne veulent pas, en fait, justement, de ce type de pratique, justement parce que ça peut altérer, en fait, les blessures émotionnelles de certaines personnes. Alors, nous avons cheminé côte à côte pour qu'elles deviennent fraternelles. Hein. À un moment donné, il faut quand même... Voilà, donc il y a une prise de conscience, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ego. Un jour, tu m'as dit, tu es mon frère, un membre de ma famille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est avant, c'est ce qui s'est passé avant. Quelques années plus tôt, j'aurais éclaté en sanglots. Ce jour-là, j'étais prêt à l'entendre et j'ai souri. Je le savais depuis le premier jour de notre rencontre, mais la créature tourmentée que j'étais n'était alors pas prête à l'entendre. Donc, en fait, on peut dire que dans les relations, on va dire, entre les gens, hein, que ce soit des masculins, des féminines, voilà, eh bien, à un moment donné, en fait, il y a des choses qui peuvent être entendues et avant, elles ne peuvent pas être entendues. C'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui ont des problèmes. Moi, j'ai un problème de son aussi. Donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule. Je me suis sentie traversée par ce sentiment de fraternité et j'ai soufflé pour ne pas pleurer devant lui. Mon grand frère, il annonçait que nous étions sur un pied d'égalité. Évidemment, quand on n'est pas dans le jugement et quand on n'est pas dans l'ego, hein, quand on a la philosophie du non, avec Gaston, eh bien évidemment on peut être éventuellement sur un pied d'égalité, hein, quand on ne se fait pas des projections par rapport à son compte en banque ou par rapport à ses préjugés sociaux. J'aurais sans doute encore un long chemin à parcourir pour m'en convaincre. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire en fait que
Voilà, il me faudra retourner dans la jungle pour mûrir ce sentiment. Voilà, bon, bah écoutez, voilà, je voulais vous faire partager tout ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve qu'évidemment, eh bien, ça parle beaucoup bah, de ce qui se passe en ce moment, en tout cas. Voilà, parce que, ben, vous voyez, quand on a des prises de conscience, bon, ben, c'est un petit peu comme la mer qui arrive sur une plage, hein, elle s'étale et puis elle se retire et puis elle s'étale, vous voyez, il y a des vagues, et puis voilà, et puis à un moment donné, les sédiments tombent au fond du lac. Alors, on fait les anges. Bon, alors je tiens à le dire, peut-être que ma vidéo va être un petit peu longue, mais enfin bon, les gens qui me connaissent le savent. Carte numéro 10, on est sur Aladia. Alors, Aladia, bon ben, on est sur la mer Kaba, c'est doré au centre. Donc c'est la mer Kaba, donc c'est, on va dire, l'énergie divine, l'énergie christique, hein, puisqu'en fait enfin, on a cette lettre là, le P, en fait c'est le Christ, hein, et donc en fait qui est en train de guérir le chakra de la gorge, hein, puisque c'est bleu. Et puis aussi, eh bien, il va y avoir peut-être une petite action. Ça concerne les signes de terre vraisemblablement. Une petite action dans la matière qui va, on va dire, amener une certaine créativité. Carte numéro 10, on est sur Iode. Donc là, on est bien dans la roue du karma. Ça concerne le doigt pointé, hein, donc en fait, là, on est en train de regarder quelque chose extrêmement attentivement. Visiblement, c'est une relation où c'est quelque chose, un objet qui est complètement protégé, hein, puisque Iode, c'est Yud-Kevav-Ké, c'est le tétragramme divin, donc c'est pour ça qu'en fait, en centre, on a bien la Merkaba. Donc voilà, donc là il y a une espèce d'impulsion, il y a une manifestation, hein, donc vous allez peut-être recevoir un message du divin dans votre chakra, mais ça va directement passer par la gorge. Donc c'est peut-être quelque chose qui soit est entendu, soit c'est vous qui parlez. Vous faites des essais. Voilà, vous avez des nouvelles idées, ça concerne votre destin, vous sortez de la fatalité. Voilà, parce que vous avez une heureuse surprise, enfin il y a des projets qui sont en train d'être mis en place. Ça concerne pour certains masculins de l'émancipation. Voilà, peut-être que vous allez avoir une idée, hein, et ça va être une idée un peu intrépide. Ça concerne la force vitale. Donc, il y a des gens qui vont acter quelque chose dans la matière parce que ça va être vital pour eux. Et en fait, vous allez entamer un nouveau cycle, hein, puisque 10, c'est 1, on est dans Alès, on est aussi dans le magicien, on est. Voilà, vous êtes en train de suivre les signes, visiblement. Et on est aussi dans Keter, chakra numéro 11, hein, c'est pour ça qu'on est dans le doré, hein, mes amis. Bon, Keter, souvent, c'est gris, mais. Voilà, et on est sur un principe qui unifie ou un principe d'unité. Voilà, donc référence à ce que je viens de vous lire. Et donc, en fait, il y a des masculins qui veulent utiliser leur potentiel. Alors, je tiens à dire que les guidances, je les fais pour le masculin, mais étant donné que bon, les féminines sont en lien avec les masculins, eh bien, c'est aussi pour les féminines. Voilà, c'est pour ça que je ne fais pas plusieurs vidéos. Après, le soir, je fais la Belge qui médite. Bon, je vous dis des trucs un peu particuliers. Voilà, bon, bah, écoutez, ça a le mérite de faire sauter les petits bouchons du cerveau. Voilà, donc on va retourner les cartes. Donc ça, c'est Misraël, carte numéro 60. Donc en fait, là, on est sur des amoureux. Voilà, 6, c'est Vav. On est sur le chakra de la racine, et vraisemblablement du chakra de la racine, on va trouver un truc un peu original, hein, c'est de la créativité, c'est le chakra sacré, ça correspond à des féminines, et on va s'exprimer, ou en tout cas, visiblement, ça va être assez lumineux, hein, mes amis, hein, bon, le chakra numéro 5, le chakra de la gorge,
qui est en bleu. Dans la Kabbale, c'est aussi la porte de Das. Donc en fait, vous allez peut-être en parlant, en vous exprimant, visiblement c'est par rapport à une féminine, hein, parce que sinon on n'aurait pas l'amoureux, ça va être assez... ça va vous sortir, on va dire, de votre fatalité, hein, pour être simple. Ensuite, bon là les cartes étaient à l'envers, c'est moins bien. 68, Abuya. Abuya, on est toujours dans le chakra racine. C'est la carte 68, hein, donc en fait c'est 14 à l'envers. Donc là il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes vraiment émotionnels. Voilà, vous avez du mal à trouver la troisième voie, on va dire. Visiblement, c'est votre chakra de la couronne. Donc, vous allez réfléchir par rapport à une idée. C'est votre chakra de la couronne qui va peut-être... c'est le chakra de la racine est bloqué. Parce que, en fait, vous bloquez par rapport à une idée que vous avez, qui est dans le chakra de la couronne. Et cette idée, en fait, ça vient du divin, vous voyez. C'est pour ça qu'on a Aladia 10, là, avec le doré au milieu. Mais c'est un peu bloqué, mes amis, voilà. C'est un peu bloqué parce que soit vous êtes dans l'émotionnel à fond et votre émotionnel vous empêche de voir une idée assez importante. Voilà, il y a une partie du mental qui vous empêche de voir, hein, pour être très clair, parce que le chakra numéro 8 à l'envers, on peut dire oui, c'est l'inconscient, c'est le mental, c'est un truc que vous ne voulez pas voir. Voilà. Et on a toujours Mumia. J'ai beau battre mes cartes, hein, ça revient sans arrêt. Et donc avec Mumia, visiblement, quand ça va vous transcender, parce que c'est chakra numéro 8. Et puis derrière, on a Keter. Et puis on a un chakra qui est un peu jaune-orange. Donc, on est à la fois dans le plexus solaire. On est dans le plexus solaire. Là, il y a une grosse introspection, visiblement. Et il y a quelque chose qui remonte au niveau akashique. Parce que sinon, on n'aurait pas Keter en extérieur. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, visiblement, il y a un rapport à l'argent, peut-être que vous ne vous prenez plus pour un compte en banque. voilà, en tout cas, il y a quelque chose par rapport à une survie, par rapport à des choses matérielles, en fait, et là, vous sortez, on va dire, de ce préjugé, de cette culpabilité, peut-être que vous avez vis-à-vis de vous. Alors, il y a des personnes, la culpabilité, c'est genre, vous pensez que, on va dire, votre matérialité vous met dans le malheur. Ou pour d'autres, vous culpabilisez dès que vous avez de l'argent, vous voyez, parce que vous dites, mais l'argent, c'est pas bien, l'argent, c'est une énergie. Hein, c'est comme une clé à molette, hein. Il faut savoir s'en servir, hein, mes amis, quand on en a. Et puis quand on n'en a pas, il ne faut pas culpabiliser, hein, il faut essayer d'en avoir, vous voyez. Donc voilà. Donc là, il y a un rapport à la matérialité, il y a un rapport à l'argent, il y a un rapport à votre compte en banque, il y a la relation que vous entretenez avec les autres par rapport à votre argent aussi. Vous avez, comme qui dirait, des relations, spécifiées. Sur soit vos préjugés sociaux, soit c'est par rapport en fait à la façon que vous vous représentez vous-même par rapport en fait à de l'argent ou en tout cas à la matérialité, à tout ce que ça comporte. Et donc là, vraisemblablement, vous êtes en train de changer de paradigme. Donc voilà. Alors, je vais quand même lire la carte 68, hein, mais je crois que je l'avais déjà lue, me semble-t-il. Carte 68 à l'envers. Bon, de toute façon, on est vers la fin des archanges. Il y a peut-être des gens qui sont malades aussi, parce que la matérialité, c'est pas simplement l'argent, c'est aussi... nature stérile. Pour les gens qui sont agriculteurs, les récoltes seront dévorées par les insectes, hein, donc faites attention. Prédisposition pour les maladies infectieuses, donc il y a des gens qui ont chopé des virus,
Il transmettra la maladie ou on lui transmettra, donc c'est une possibilité. Et donc il y a des gens qui vont manquer de pain. On vous dit que vous n'êtes pas à votre place. Donc visiblement, il y a des gens autour de vous qui sont des parasites, des prédateurs qui vont vous dépouiller. Je veux dire, c'est bon, c'est raide. Hein. Il sera privé de ce qu'il attendait. Donc, il y a des personnes qui sont très marginales. Alors, peut-être, c'est peut-être dans leur psychologie aussi. Voilà, des oubliés de la société. Alors, bon, il y a des choses qui sont un peu dures. Le fils tant espéré ne naîtra pas. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça, ce sera... Moi, je dis les choses après, voilà. Il y a des personnes qui, visiblement, agissent en marge de la légalité. Il y a des gens, en fait, qui sont en train d'être chassés ou qui chassent. Et donc, vous avez un besoin urgent de réactiver votre volonté. Donc là, en fait, ce qu'on sent à travers cette carte, en tout cas, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas, en fait, à passer le step, hein, puisqu'on a Moumia à côté. Bon, d'un autre côté, il y a quand même Misraël, hein, 68, enfin 60, je veux dire, qui est juste avant, que je vais lire pour contrebalancer le tout, hein, parce que c'est quand même pas évident, hein, ce que je viens de dire. Bon, après, moi, j'ai pas de filtre, hein, je vous raconte pas les bisounours. Hein. La vie, c'est pas les bisounours. Hein. Alors, il y a quelqu'un, visiblement, qui va vous aider, un guérisseur né, surtout pour les maladies mentales. Alors, y a, soit c'est un grand psychiatre, un grand psychanalyste ou un psychologue. Bon, alors, si vous n'avez pas tout ça, je vous recommande d'aller chercher rapidement. Personne qui maîtrise ses passions, ses émotions. S'il est atteint par une maladie mentale ou par la drogue, l'homosexualité, il se régénérera. Donc, on a vu des gens qui allaient être, enfin, en tout cas, se régénérer. Il sera libéré des persécuteurs qui le harcèlent. Voilà, donc il y a des gens qui vont gagner, on va dire, peut-être sur leurs ennemis et peut-être en justice. Vous pouvez devenir un personnage éminent. Vous avez un grand talent. Vous avez de la fidélité au supérieur, alors ça peut être les supérieurs, ça peut être les anges, les archanges, c'est pas simplement des supérieurs au niveau professionnel. En tout cas, vous allez faire preuve d'obéissance et de bonne santé. Enfin, en tout cas, l'un est lié à l'autre. Haute moralité, longévité, il devra corriger ses anciennes erreurs. S'il a des enfants malades mentaux, ils guériront. Donc, en fait, on va dire que pour vous, les choses vont s'améliorer, hein, mais il y a quand même un gros blocage à côté. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont être aidées, hein, visiblement. Il défendra des idées nobles et élevées. Il peut réparer des machines compliquées qui fonctionnent mal. Donc voilà, bah écoutez, les machines compliquées, c'est le mental, hein, mes amis, et ça fonctionne très, très mal pour certains. Il utilisera la logique pour se défendre contre les absurdités. Oui, alors il y en a à peu près partout. Des absurdités, comme on l'a vu avec la philosophie du non de Bachelard. Évidemment, c'est une absurdité. Pas de dire non, évidemment, pas de ce qu'il écrit, mais évidemment de ne pas envisager les choses de façon, on va dire, sur plusieurs plans et de façon, on va dire, unifiée. Hein. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les cartes se parlent les unes par rapport aux autres. Hein. Alors, il devra affronter l'absurdité et la vaincre. Et donc, en tout cas, donc voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va guérir par le chakra de la gorge, vraisemblablement. Et ça va être assez rapide. Voilà. Mais il y a quand même un blocage qu'on a vu aussi lors de mon dernier tirage, avant la fin d'un cycle, avant la transformation alchimique. Et on a la carte guide 10 qui correspond aussi à la roue du karma. Vraisemblablement, pour Aladia, tout cela, c'est normal. En fait, il y a une chose qu'on lit aussi dans le Talmud. Alors, je précise, hein, je n'ai pas lu le Talmud. Hein, j'ai écouté des vidéos sur le Talmud, hein, ce qui n'a strictement rien à voir. Je ne, je,
je ne lis pas l'hébreu, hein. Mais le Talmud et la Torah, en fait, disent une chose, et ça, c'est quantique, c'est-à-dire que plus les gens ont des expériences, on va dire où vous êtes dans le noir, hein, vous êtes dans le noir le plus complet, alors c'est la nuit noire de l'âme, c'est tout ce qu'on veut, vous passez à travers la souffrance, vous avez des choses qui vous arrivent dans votre vie absolument horribles, et bien, plus c'est noir, et plus en fait les personnes qui veulent sortir de cette situation, qui veulent sortir de ce couloir, et bien quand vous allez voir la lumière, et bien la lumière, ça va être encore plus fort que des personnes qui n'ont pas vécu en fait ces expériences-là. C'est-à-dire que moins on vit d'expériences, on va dire entre guillemets négatives, moins en fait on a une puissance en fait en termes de lumière. Et c'est pour ça d'ailleurs que Paulo Coelho parle de guerrier de la lumière, hein, parce que il faut être guerrier, hein, pour aller chercher la lumière. C'est comme quand on va, vous voyez, c'est une bougie en fait, hein, pour aller chercher dans la matière la lumière. Bon, si on ne sait pas comment on allume la mèche, vous voyez, ben ça c'est l'ignorance. Et donc en fait, on va aller chercher très 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 loin dans la matière, dans la souffrance. Alors bon, moi je suis pas catho, si vous voulez, on n'a pas besoin de souffrir, mais c'est vrai que les gens sont quand même super feignants. En tout cas, moi j'ai été très feignante, hein, donc voilà, je prends mon exemple. Après ça regarde, ça, voilà, mes réflexions ne regardent que moi. Après je les fais partager et puis voilà, si les gens avancent, tant mieux, hein, voilà. Et ben plus vous allez dans la souffrance, plus vous allez dans des événements qui sont voilà, qui vous tombe dessus, vous savez pas d'où pourquoi, vous avez un accident de voiture, vous avez plus de jambes, vous êtes à l'hôpital, vous avez des personnes autour de vous que vous aimez qui meurent les uns après les autres en l'espace de quelques mois, voilà, vous avez un enfant qui a des problèmes psychologiques, psychiatriques, physiques, vous voyez, tout ce genre de choses, des choses qui sont vraiment lourdes, et ben si vous arrivez à traverser ça, en fait, eh ben, vous allez voir, vous allez avoir une force, en fait, une force de l'expérience. Et en fait, c'est bon, alors, évidemment, c'est un peu spécial de dire ça, de passer de ça à la physique quantique, mais c'est la dualité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas le noir avec le blanc. Vous voyez, c'est comme une pellicule de photo. Si vous mettez trop de lumière, eh ben, on ne voit pas les contours de la photo. Eh ben, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas en fait, l'expérience de votre vie, eh bien, vous ne pourrez jamais voir qui vous êtes. Hein, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et bon, évidemment, mes remarques me sont complètement voilà, personnelles. Voilà. Alors, on continue. Donc, bon, bah, écoutez, on a Moumia et Alandia, hein. On a un blocage avant de passer un step. Hein. Alors, on va peut-être voir la suite. Hein. Que va-t-il se passer, hein. Donc là, je commence par les tarots. Puis on verra après. Oh, j'ai oublié Lise Bourbeau, mes amis. Alors... Donc là, on a le 3 de coupe à l'envers. 3 de coupe à l'envers, bon, bah écoutez, c'est pas encore une célébration, mais enfin bon. Bon, là, visiblement, il y a. Je dis toujours, il n'y a rien à célébrer. Voilà, bon, bah écoutez, on va voir ça. Mais je voudrais quand même faire Lise Bourbeau avant, excusez-moi. Il ne faut pas que je regarde. Allez. Alors, on a le rejet. Le rejet, hop. Je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Bon, ben voilà, faites comme Gaston, essayez d'avoir plusieurs visions d'une même situation, hein, et puis essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, là évidemment vous êtes dans le rejet, mes amis, aujourd'hui.
Là, nous avons pour d'autres l'injustice. L'injustice, donc vous êtes dans un procès, messieurs. Je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable. Oui, il y a des personnes qui se sentent énormément coupables en ce moment, visiblement, même si elles me semblent injustes à quelqu'un. Bon, bah, y a des gens qui vont s'écouter plutôt qu'écouter les autres et vous allez sortir de l'injustice. Bon, alors aujourd'hui, c'est Monsieur Roger, hein, voilà. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou me critique, je décide de prendre 3 bonnes respirations, donc respirez bien, hein. N'oubliez pas que quand vous respirez la lumière, évidemment c'est de l'air, hein, et puis en même temps vous respirez vos ancêtres, hein, puisque rien ne se perd et tout se transforme, hein, depuis la nuit des temps, depuis Adam. Donc je décide de prendre 3 bonnes respirations pour bien entendre ce qu'on vient de me dire. Bon, bah, respirez bien, parce que la vidéo va être longue. En admettant que l'autre ne m'ait pas dit que je suis nulle. Non, moi, personne n'est nul. Il n'y a aucun... voilà, parce que vous êtes dans le rejet, parce que vous pensez que les autres vous jugent. Et en tout cas, si les autres vous jugent, eh bien, trouvez d'autres amis. Alors, ensuite, eh bien, nous avons le 8 de bâton. Donc, il y a une communication. Il y a une communication, ça va très très vite, hein, mes amis, et c'est de la passion. Alors, ensuite, nous avons, on a le 4 d'épée, hein, donc là, il y a quelqu'un, pareil, je vous dis, on est dans le mental à fond, il y a quelqu'un qui se pose des questions, mais le 4 d'épée est tout de même à l'envers, donc on est en train de quitter une situation, on va dire, de bipolarité peut-être, de problématique, en fait on n'arrive pas à choisir. Donc là, référez-vous à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, nous sommes sur, poum poum, sur un 10 de denier à l'envers. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui était dans le mental, hein, qui se mettait la rate au courbouillon. Et bon, 10 de denier à l'envers, possiblement vous avez des problèmes de santé, ou en tout cas il y a une situation qui vous a... voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 8 de bâton avec un 10 de denier, donc ça fait 18. Hein. Donc en fait on est bien dans le sadi. On est bien dans la lune, hein. Il y a quelqu'un qui s'est fait harponner par rapport à de l'argent et qui a peut-être perdu de l'argent. Il y a une question aussi avec le chakra de la racine, Yesod. Ça concerne des mémoires akashiques, donc ça concerne aussi des valeurs financières ou des valeurs mobilières. La projection en fait de votre but dans votre vie. Visiblement, c'était aussi le but de vos ancêtres, mais là, c'est en train de se changer parce que vous vous rendez compte que vous étiez dans l'illusion, hein, puisque 18, voilà, c'est la lune, c'est l'illusion. Vous êtes dans l'émotionnel. Et donc, on va dire, la lumière surgit d'une distorsion. Évidemment, c'est la distorsion du mental, c'est votre subconscient qui est bloqué. Hein, on l'a vu dans les cartes des anges. Donc, en fait, vous avez une peur instinctive parce que vous voyez qu'il y a une vérité qui est cachée. Et visiblement, c'est trouble. Hein, c'est encore un peu le vaisseau fantôme. Et donc là, en fait, il y a un reflet de la vérité qui est en train de vous traverser. Et en tout cas, bon, bah, on vous dit de ne pas craindre visiblement de traverser cette vérité. Et donc là, autour de vous, visiblement, bon, bah, y a des gens, voilà, y a des malotrus, hein, on va dire, des gens qui ne sont pas convenables, beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de tromperies. Vous étiez un petit peu bah, dans les nuées, hein, pyro-lunaire, c'était... voilà. Et donc là, vous allez avoir une vision, hein, c'est pour ça qu'on avait le chakra numéro 8 tout à l'heure avec les anges, et vous allez vers une purification visiblement de votre émotionnel. Alors, ça peut concerner un voyage, et ça peut concerner aussi, une féminine qui ne vit pas... qui ne vit pas dans votre monde, peut-être, ou qui n'a pas les mêmes préjugés que vous, ou qui n'a pas la même culture que vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le 3 de coupe à l'envers.
Parce que visiblement, eh bien, cela vous met dans une certaine, dans un certain émotionnel. Il y a peut-être des gens qui sont en rejet par rapport à quelque chose qu'ils devraient faire et qui célébreraient quelque chose de nouveau. 4 d'épée, on est dans 4, hein, c'est à l'envers, donc 4 c'est quand même d'alette, hein, c'est quand même le passage. Donc là, puisque c'est à l'envers, je vous dis, il y a le mental qui tourne dans l'autre sens. Donc en fait, on est bloqué parce que Dalet, c'est en même temps le chakra numéro 8 et c'est en même temps le chakra numéro 4. Et 4, bah, c'est le cœur, c'est Tiferet. C'est quelqu'un qui subit une situation qui n'est pas en position de commandement et c'est pour ça qu'on a aussi le 10 de denier à l'envers. Voilà. Bon, bah, après, c'est comme ça que je lis ces cartes. Hein. Donc on va voir avec mon autre truc cabalistique. Alors là nous avons à l'envers. Alors je sais pas si c'est 26 ou 28, c'est un petit peu. Seiya. Alors, Seiya, visiblement, ça brûle, vous voyez, on est en train de partir d'une situation, mais la carte est à l'envers. C'est peut-être la carte 26 ou la carte 28, donc je peux pas dire. Il faut que je regarde, excusez-moi. Hop, Seiya. Vous voyez, moi, à chaque fois que j'ai un truc que je comprends pas, eh bien, non, c'est pas cette carte. Eh bien, je regarde le livret. Le livret. Je mets, malheureusement, dans le livret, il n'y a pas 28, 28. Ouais, 28, c'est Seiya. Alors, Seiya à l'envers. Bon, je préviens les gens, ça va durer longtemps. Donc, voilà, les personnes qui veulent 30 minutes tarot, il y a d'autres chaînes, super bien. Alors, donc là, visiblement, il y a une catastrophe. Visiblement, c'est quelqu'un qui a la poisse. Donc, il y a une histoire d'incendie où il y a quelque chose. Alors, on l'a vu déjà plusieurs fois, l'histoire de l'incendie. Danger par le jaillissement du feu. Alors, ça peut être une colère aussi. On va dire qu'il y a un accident. Voilà, menace de grave maladie, de paralysie. Si la personne est déjà malade, la maladie va persister parce qu'en fait, vous êtes bloqué au niveau du chakra de numéro 8. Vous voyez? Vous êtes bloqué au niveau du chakra numéro 8 et du chakra numéro 4. Et c'est pour ça que ça bloque. Personne qui réfléchit peu et qui a un comportement imprévisible. Vous agissez sans penser. Donc voilà, on met vraiment l'accent sur une histoire d'accident ou en fait une situation, voilà, vous enchaînez on va dire, les événements négatifs. Et là, on a un éclair, mais il est à l'envers. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas très positif. Ouais, voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, on continue. Donc là, carte numéro 18, Caliel. Donc là, il y a quelqu'un, visiblement, par rapport en fait à une communication. Donc on est bien dans le chakra de la gorge. 18, donc là, bon, ben, c'est très, très émotionnel. Hein, voyez, vous êtes en train de traverser. Voilà, c'est Tsadi, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est le reflet de la vérité. Là, visiblement, il y a quelqu'un qui. On lui donne les clés, hein, voyez, parce que là. Et là, visiblement, il y a trois anges. Donc, en fait, là, vous êtes bien ce qu'on a vu tout à l'heure avec les anges. Vous êtes dans la Merkaba. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui vous descend. Hein. Il y a une forme de communication, visiblement. Et ça vous arrive dans le chakra numéro 8. Ça concerne une personne qui est scorpion. 48, donc en fait là c'est vraiment c'est des lovers. C'est la carte Michael. Donc là en fait il y a des gens qui par rapport à leurs angoisses, par rapport à une relation une féminine, en fait vous allez être purifiés, on va dire.
Visiblement, il y a une réunion. Carte numéro 2, enfin 48, c'est 12. Donc là, il y a un rééquilibrage karmique, évidemment, avec Michael. Pour des signes de feu, hein, visiblement. Et donc, c'est la carte 12. Donc, en fait, vous êtes dans l'introspection, on va dire. Voilà. Et bon, c'est 4, évidemment. On est dans Dalet. Ça va vous faire changer de karma, visiblement, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment la poisse dans leur vie. Donc, ça, c'est Michael. Et puis, l'autre, on a... là, on a Michael, mais il est à l'envers sur... sur le 10 de Pentacle. Donc, toujours 4. Donc, c'est toujours Dalet. C'est par rapport à une relation, on va dire. Et la relation est à l'envers. La relation est à l'envers. Et visiblement, il y a le 10 de Pentacle à l'envers. Donc, soit visiblement, il y a un problème... parce que Michael, c'est quand même la vérité, c'est bleu, on est toujours dans le chakra de la gorge. Donc il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge, visiblement. Et là, visiblement, ça va. Parce que vous êtes peut-être beaucoup trop dans soit l'émotionnel, soit dans beaucoup d'illusions. Et là, en fait, il y a des gens, je veux dire, bon, c'est la fatalité dans leur vie. Et c'est parce que vous êtes dans une blessure de rejet et d'injustice. Donc, en fait, il faut absolument que vous compreniez d'où vient cette blessure de rejet, d'où vient cette blessure d'injustice. Ça vient forcément de votre arbre transgénérationnel, ça vient forcément de votre naissance, ça vient forcément des relations que vous avez entretenues avec votre père, avec votre mère, avec vos cousins, avec votre chien, avec votre grand-mère, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ça vient des ancêtres, c'est des mémoires akashiques. Hein. Donc là, il va falloir faire un reset très très fort sur d'où ça vient, hein, cette blessure de rejet. Parce que c'est ça en fait, c'est cette compréhension qui va vous faire sortir du mental. Parce que visiblement, il y a une vérité que vous n'avez pas vue. Ni sur vos ancêtres, ni sur le transgénérationnel. Pourquoi vous êtes dans cette situation de blocage? Bon, pour certains, c'est de la maladie. Pour d'autres, vous êtes alité, vous êtes malade. Hein, je veux dire, un 10 de denier à l'envers, je veux dire, on est malade, on a perdu sa mère. Enfin, voilà, il y a des gens qui perdent leur vie, hein, vous voyez. Donc voilà. Et visiblement, c'est par rapport à quelque chose qui est arrivé très soudainement. Voilà, vous enchaînez le karma en fait parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est très 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 important, c'est par rapport à une blessure d'injustice que vous reproduisez visiblement, par rapport au chakra du cœur et par rapport au rejet, blessure de rejet. Bon, voilà, je ne peux pas faire mieux que de dire les choses. Hein, voilà. Après, je vous dis, si vous avez besoin qu'on vous parle avec gentillesse. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je préfère que les gens sortent de l'ignorance, hein, plutôt que leur parler, on va dire, de façon sirupeuse. Vous voyez, je ne suis pas hypocrite. Voilà. Alors, oh, voilà, celle-là, elle est tombée rapidement. Hein, hop, la délicatesse, oui. Alors, justement... Il va falloir être très très délicat avec vous-même. Il y a même des gens, en fait, il faut vous parler. Si vous avez des problèmes de santé importants, enfin importants, voilà. Bon, après, la science a ses limites, hein, voilà, chacun son truc. Et donc là, en fait, il y a des personnes, il va falloir vous parler à votre corps. Moi, j'ai ma grand-tante qui avait un problème vraiment important. Bon, bah, elle a parlé à sa cheville, elle ne pouvait pas marcher, et puis après, elle a marché, vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut savoir écouter son corps, écouter ce que les blessures du corps ont à vous dire. Voilà, si vous êtes bloqué dans une situation, si vous ne pouvez plus... vous exprimer, marcher, voilà, si vous êtes bandé de la tête aux pieds,
là je parle pour des personnes qui sont malades, bon, eh bien, à un moment donné, il va falloir, c'est parce que vous avez tellement été dans le rejet de votre corps, voilà, et c'est pour ça que vous avez cette blessure d'injustice, parce que vous dites, mais ce qui m'arrive, c'est injuste. Et non, c'est votre corps qui vous dit merde, vous voyez. Donc vous avez, ben vous, il faut que vous disiez merde au mental, et puis que vous acceptiez aussi d'écouter, d'avoir un dialogue avec votre corps. Quand je tire la carte des carmélites, par exemple, hein, dialogue avec les carmélites, hein, c'est surtout le dialogue intérieur, le dialogue avec votre neshama, votre neshama, votre nefesh, voilà. Donc s'il n'y a pas de dialogue, bon, comme avec les féminines, hein, je veux dire, s'il n'y a pas de dialogue avec visiblement des femmes qui sont là pour soit vous faire avancer, bon bah écoutez, bah, vous n'avancez pas, vous êtes bloqué, vous voyez. Donc à un moment donné, il faut comprendre aussi pourquoi tout est mélangé dans votre vie. Alors, moi, attends, bah, écoutez, c'est tombé comme ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est comme ça. Donc là, on a de nouveau les ancêtres Wanjina. Donc il y a des gens qui ont des gros talents de chaman, mais ils sont pas au courant. Voilà. Donc en fait, visiblement, ça va être révélé par la voix, par la gorge, hein, le chakra de la gorge, hein, vraisemblablement. Voilà, la carte est à l'envers. Voilà, parce qu'en fait, visiblement, eh bien, vous êtes quelqu'un qui n'a pas encore épluché son identité. Voilà, vous n'êtes pas encore dans la méditation. Pour l'instant, vous avez les os tout cassés, hein, visiblement, peut-être les os de votre cerveau aussi. Ça concerne évidemment des gens qui ont des résonances somatiques. Et visiblement, voilà, il va y avoir des guérisseurs aussi, parce que ça peut être ça aussi, hein. Ça concerne des âmes enfouies. Ou enfuies, pardon, des âmes enfuies, des âmes qui se sont enfuies. Donc, en fait, vous étiez dans la fuite. Vous étiez dans la fuite par rapport à une présence latente. Évidemment, la présence latente, c'est votre neshama, hein, c'est votre âme. Là, visiblement, il n'y a plus de traces de la filiation. Enfin, bref, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes dans l'ignorance d'une filiation. Donc, il y a vraiment une histoire... Dans votre âme générationnelle, ou en tout cas à votre naissance, il y a une injustice et il y a du rejet. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont été rejetés par leur mère ou par leur famille. Hein. Voilà. Donc là, en fait, visiblement, vous êtes dans la séparation et dans la douleur. Et c'est peut-être de la séparation par rapport, en fait, au monde des esprits. Hein. Voilà, bon, moi, j'ai lu Yann Kounen. Et visiblement, eh bien, les choses sont en train d'être mises en place afin que vous puissiez accueillir visiblement cette réalité, si je puis dire. Donc là, on a donc la délicatesse. La délicatesse, ça concerne une ampoule électrique, une illumination créative, de la beauté aussi, une personne qui est assez belle intérieurement. Ça concerne un contrat d'âme, ça concerne des enfants indigos. Vous pouviez être réfractaire, mais là, en fait, vous avez un éclair de lucidité. Ça concerne des mots imprimés. Alors, ça peut être un message, quelque chose d'écrit. Voilà, vous savez, la lumière qui s'allume, ça concerne de l'ornement aussi. Alors, ça parlera à une personne en particulier. Ça concerne un ballon de vin, ça concerne des épices, ça concerne le fait d'aller prendre un verre. Voilà. Bon, là, visiblement, les choses vont être faites avec une certaine délicatesse. On est très content, hein, parce que faut être délicat avec son corps. Bon, là, c'est pareil. Bon, le dragon geôlier de l'âme. Donc, la carte est à l'envers. Donc, en fait, il y a quelque chose qui bloquait votre chakra du cœur. Ça concerne visiblement un dragon, mais de mauvais augure, hein, quelque chose de très négatif dans votre entourage. Hein. Bon, bah, visiblement... ce sont des personnes qui sont extrêmement noires, hein, puisque j'ai les attributs,
Ouais, les attributs, mais des attributs négatifs, hein, évidemment. Vous lavez votre crinière dans la noirceur. Ça concerne en fait, vous êtes en train de combattre le monde de la mer. Et ça concerne une personne qui a fait une chute avec le dragon geôlier de l'âme. Donc il y a des personnes qui ont du mal à ouvrir leur cœur, on va dire. Ensuite, bon, toujours à l'envers, hein, c'est normal, c'est un peu bloqué. Là, nous avons la chance à l'envers, donc en fait, vous jouez de malchance. Ça concerne... Il y a un homme qui joue de malchance par rapport à un cadeau. Vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes, hein, c'est peut-être des gens qui font de la sorcellerie aussi, qui vous ont transformé en grenouille bleue. Donc peut-être qu'il y a des personnes en fait qu'on a trompées ou dont on s'est moqué. Hein. Voilà, quelqu'un qui a été réduit, on va dire, voilà, à un état végétatif peut-être. Mais en tout cas, visiblement, le prince charmant est loin, hein, par rapport à la grenouille. Hein, voilà. Ça peut concerner une femme enceinte. Et donc, visiblement, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, un chaman. Alors, ça concerne le mythe Navarro. Bon, on parlera à une personne. Et donc, en fait, quelqu'un ou quelque chose ou quelqu'un va apporter ce qui vous manque, visiblement. Et ça concerne des os embryonnaires. Donc, en fait, quelque chose qui est en pleine gestation. Ensuite, donc là, c'est pareil. Bon, bah, vous ne suivez plus personne. Hein, ou en tout cas, on ne vous suit plus, hein, visiblement. Bon, visiblement, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Hein. Et vous vous êtes fait pris au piège par un oiseau de proie ou une personne voilà très malfaisante. Ça concerne votre compagnon ou la femme qui partage votre vie en ce moment. Et donc là visiblement vous êtes beaucoup dans la tristesse par rapport aussi à une blessure d'abandon. Voilà. Bon, il y a des personnes qui sont vraiment dans la souffrance. Et on va dire que votre chemin, il est très symbolique. Voilà. Ensuite. Bon, bah pareil, on a Ganesh. Destruction et restauration, naissance inhabituelle. Alors là, visiblement, il n'y a plus de friandises dans le paysage. En tout cas, visiblement, les personnes ne sont plus des friandises pour vous. Vous avez une double origine. Vous avez compris, visiblement, avec l'Akasha. Il y a un nouveau projet. Donc, dépourvu d'autorité phallique. Donc, il y a des gens qui écrivent. Et donc, visiblement, le rat se ferait un chemin. Voilà. Il y a quelqu'un qui se ferait un chemin avec un corps d'enfant. Ça concerne des danseurs. Fils de Shiva et Parvati, évidemment, c'était des flammes jumelles avec un Ganesh. Un Ganesh à l'envers, visiblement, sur un dragon très noir. Voilà. Alors... Bon, visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas avec un enfant. Alors, donc là, on a sorcier et sorcellerie, la putain du diabolique. Bon, voilà, c'est mon tarot. Voilà, j'écris ce que je veux. Ça concerne un filtre, hein, un filtre qui a été concocté. Ça conseille l'œil lunaire. Évidemment, on est à fond dans l'émotionnel. Donc là, visiblement, par rapport à de la sorcellerie, vous allez avoir une double vue. Alors, ça concerne une femme, hein, une Médée meurtrière, une personne visiblement qui vous a trahi. Ça concerne un miroir magique, une sibylle, quelqu'un qui a le troisième œil.
qui a des facultés psychiques. Ça concerne une prêtresse ou une chamane, une guérisseuse, une herboriste. Ça concerne une personne qui fait des choses étranges. Et donc, vous aviez une jolie maîtresse qui était très sournoise. Et donc, visiblement, par rapport à de la marginalité, vous étiez dans le rejet. Et donc, c'est pour ça que vous étiez dans l'ombre. Vous ne voyez pas la lumière. Il vous manquait un morceau du puzzle. Ça concerne des pouvoirs subtils. Et ça concerne la malveillance de la part d'une femme. Ensuite, donc la licorne, la licorne à l'envers, hein, vous êtes dans les plaies et la maladie. Il n'y a plus d'attraction et c'est plus légendaire visiblement votre nom. Vous êtes dans l'enfermement et la colère. Et donc il faut purifier les eaux contaminées. Il y a une personne qui a pu se faire traquer par des gens. Voilà. La licorne à l'envers. Donc voilà, on est un peu dans le désespoir quand même, hein, mes amis. Là, on a à l'envers, on a jaune cocu. Hein. Il avait le teint jaune, fier et ambitieux. Donc là, visiblement, vous sortez de votre arrogance. Parce que peut-être que vous avez subi des trahisons, de la malveillance, vous étiez peut-être cocu aussi. La porte des traîtres, ça concerne de la banqueroute, hein, c'est pour ça qu'on a un 10 de denier à l'envers. Ça concerne quelqu'un qui a été mis au banc des accusés avec l'étoile jaune, hein, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Ça concerne de l'humiliation, de la colère et ça concerne une personne qui est très bileuse, qui est très inquiète. Là, visiblement, vous êtes en plein sauvetage. Ça concerne le processus de décomposition de votre psychisme pour une nouvelle intégration, évidemment, pour passer à un niveau supérieur. C'est une étape de transition pour vous. Voilà. Alors, ensuite... là, en tout cas, c'est pareil, vous sortez d'une blessure. Alors, là, c'est intéressant parce que là, j'ai la carte 22, Yael. Ça concerne visiblement, vous sortez d'une situation où des gens ont énormément profité de vous. Hein, vous êtes dans la cicatrisation par rapport à une blessure, par rapport à une fissure, par rapport à une lacération du tissu psychique. Ça concerne des lésions de l'ego et ça concerne un coup violent. Donc, ça peut être un coup psychique ou un coup physique. Et ça concerne des gens qui vous ont chié dans les bottes. Hein, ils ont fait main basse sur votre célébrité peut-être. Ou en tout cas, ils vous ont vraiment roulé dans la boue, sinon dans la farine. Et donc, par rapport à cela, c'est une blessure de l'ego, hein, dans ce cas, vous êtes dans l'amertume et ça peut concerner aussi une nature chez vous qui est très androgyne. Parce que visiblement, des personnes ont énormément profité de vous, hein, et ça concerne une pénétration précise à un endroit précis. Donc, ça peut être aussi physique. Voilà, il y a une fissure précise. Et donc là vraisemblablement, vous êtes en train de sortir de cette situation. C'est pour ça qu'on a le 4 de bâton à l'envers. Donc là, on a l'appel de Krishna à l'envers. Donc je l'avais déjà dans ma dernière vidéo. Vous êtes en plein chaos, hein, vous n'êtes pas en train de neutraliser le chaos, c'est le contraire. Visiblement, vous pensez à une femme, hein, au tablier d'une femme, peut-être une femme qui fait de la cuisine aussi. Ça concerne une création magique, ça concerne un vêtement rituel, ça concerne de la protection. Donc, il y a des gens qui sont protégés par leur tablier, hein.
ou par ce qu'ils font, hein, leur, voilà. Révélation du pouvoir occulte, hein, donc en fait, voilà. Ça concerne aussi de la nostalgie par rapport à une femme, hein, une femme de cœur. Et là, on est dans la matrice inconsciente d'un masculin, donc voilà, il y a pas, les gens n'ont pas encore, voilà. Et visiblement, par rapport à une féminine, vous avez l'image inoubliable de votre mère. Et donc là, visiblement, vous étiez aveugle par rapport à une femme, vous étiez dans l'infantilisme. Et là, vous êtes en train de transmuter la matière, visiblement avec une femme qui est, voilà, qui a une belle poitrine et qui a un gros cœur, hein, visiblement. Parce que vous, et c'est ça qui va vous faire sortir de vos blessures. Là, c'est pareil, le miroir à l'envers. Eh bien, écoutez, vous êtes en train de discerner votre âme. Voilà, l'inconscient reflète l'inconnu. Hein, donc là, vous n'y êtes pas, hein, puisque c'est à l'envers. Donc là, vous êtes en train de traverser vos illusions. Vous êtes en train de vous étonner par rapport à une femme qui porte un tablier. Bon, la roue du karma est bloquée. Hein. Moi, je vous dis, chakra numéro 8, là, ça descend pas. Hein. C'est compliqué, vous êtes dans le rejet. Donc, c'est la roue du temple solaire de Konarak. Hein. On va dire que le soleil a du mal à rentrer dans votre vie. Hein. C'est un peu sombre. Ça concerne de la régression, du redoublement karmique. Hein. Évidemment, vos ancêtres ont fait la même chose que vous. Ça concerne de la routine. Et là, visiblement, ça vous torture, ou en tout cas, vous êtes torturé dans votre situation. Et donc, voilà. Bon. Et ça concerne les fleurs de lotus à 8 pétales, centre mobile, éternel. Bon, visiblement, c'est à l'envers, donc en fait, on est plutôt dans l'immobilité, soit physique, soit psychique, soit les deux. Et là, visiblement, Stranger in the Night, la carte est à l'envers. Donc là, vous vous posez des questions par rapport, en fait, à une personne qui venait peut-être la nuit chez vous. Ami ou ennemi. Voilà. Et bon, visiblement, il y a des gens qui ont des grosses montées de Kundalini aussi. Voilà, ça concerne un esprit étrange. Et donc, on vous, enfin, visiblement, il y a des personnes qui pensent « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Incertitude, réaction viscérale, voilà. Il y a quelqu'un, visiblement, pour certains masculins, il y a des féminines qui vous ont donné à manger. Alors, ça peut être, bien sûr, sur plusieurs, à plusieurs niveaux. Ça concerne de l'hospitalité ou de l'hospitalisation. Ça concerne des choses qui vous semblent mystérieuses, extraneus, hein, qui vient de l'extérieur. Il y a quelque chose qui s'approche, mais je vous dis, par rapport à une perception, on va dire, vous êtes bloqué toujours, hein, voilà. Et c'est par rapport à une amie ou un ami. Voilà, vous ne savez pas si c'est une amie, si c'est un ami, si c'est votre ennemi. Voilà, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Voilà. Il y a quand même de la sorcellerie, mes amis. Hein. Donc voilà. Bon, bah, je fais la suite. Hein. Donc la délicatesse. Hein. Très important, soyez délicat avec vous-même, hein. Poussez pas le bouchon trop loin, on va dire. Alors, ensuite on continue. Voilà. Donc là, visiblement, par rapport à une personne, bon, bah, on est dans le 9 de coupe à l'envers. Carte numéro 41, donc on n'a que des 4 aujourd'hui. Et donc, visiblement,
vous avez du mal, bon, œuf de coupe à l'envers, voilà. Bon, ben, on vous conseille d'être dans la sincérité, visiblement, pour avoir la victoire. Ça concerne une reine de coupe. Donc, une reine de coupe, il y a un homme qui veut envoyer un message à une reine de coupe, à une femme de son cœur. Vraisemblablement, vous avez subi de la duperie. 9 de denier, toujours inversé. Donc là, on a 10 de denier inversé. Voilà, il y a des gens qui sont malades d'avoir été, ce que je disais, roulé dans la farine ou voilà, on vous a vraiment mis la tête plus bas que terre. Et visiblement, c'est les effets d'un certain karma. Hein. C'est pour ça qu'on a la roue du karma. Et donc, visiblement, le 4 de bâton, ça concerne la société. Donc, vraisemblablement, vous avez perdu soit votre santé, soit beaucoup d'argent. Voilà. Et donc là, visiblement, vous avez envie... Il y a des gens qui se refont un cercle d'amis, hein, et ça va être très prospère. Parce que le 4 de bâton est droit. Ouais, c'est ça. Parce que 69 c'est 15, donc par rapport en fait à une union ou à une relation sentimentale, il y a des masculins qui étaient dans la duperie vis-à-vis de reines de coupe, ou peut-être une reine de coupe qui était dans la duperie, enfin en tout cas, visiblement il y a une femme qui, pourtant c'est une reine de coupe, elle n'est pas inversée. Visiblement, vous vouliez construire avec une femme qui semblait, on va dire, avoir beaucoup d'émotionnel, on va dire. Mais vous étiez dans les dépendances affectives. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui vous a mis en mauvaise santé, on va dire, parce que vous avez subi des trahisons. Et vous vouliez construire visiblement avec cette personne, ou en tout cas, c'est ce que vous allez vouloir faire. Mais c'est très compliqué parce que visiblement, vous avez des problèmes de santé. Vous êtes, vous avez du plomb dans... Vous avez du plomb dans les bottes, hein. Vous avez mis du plomb dans les bottes, mes amis. Alors... Donc là, carte numéro 32, votre abondance, visiblement, elle est avec une femme. Donc là, en fait, en tout cas, là, il y a une réunion. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, hein, puisque 32, ça fait 5. Et que 5, évidemment, on est dans le chakra de la gorge. Hein, donc voilà, on est bien quelqu'un qui va communiquer. Il va avoir une fenêtre de tir, hein, ce monsieur, visiblement. Et donc là, visiblement, vous êtes en survie, ou en tout cas, ça va être votre souffle de vie. Cette personne, hein, vous allez être peut-être plus dans l'intuition, on va dire. Et pourquoi ? Parce que vous allez apprendre des livres. Hein, voilà, il y a des gens qui vont énormément lire. Donc là, on est dans le chakra numéro 6, donc l'ouverture du troisième œil, le chakra de la gorge, et le chakra numéro 1, qui est le chakra racine, comme on avait vu avec les anges tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc là, c'est, mes amis, c'est en cours. Alors, ensuite, y a quelqu'un qui sonne le tocsin, hein, visiblement, hein, ou la trompette. 51, ça fait 6. Hein, donc, 6, c'est la réunion, c'est vave. Il y a un homme qui a un désir de réunion, qui cherche l'amour. C'est le chakra numéro 4. Hein, donc, c'est le chakra du cœur. Et on est,
aussi dans la reconnaissance d'un lien divin ou d'un lien avec le divin. En tout cas, on reconnaît une forte connexion, c'est l'union des opposés. Voilà, c'est un examen minutieux, mais là, on a compris, hein, on a eu notre petit coup sur la tête avec la Merkaba et les trois anges. Ensuite, bon, alors, 46, ça fait 10. Donc là, en fait, on est... Bon, là, visiblement, il y a quelqu'un qui se déplace. Il y a quelqu'un qui se déplace et visiblement, c'est karmique. Il y a la roue du karma qui tourne. Ça fait 16, 51 et 46. Et donc, eh ben, là, on est dans la lettre hébraïque Zaïn avec ces deux cartes. C'est la maison de Dieu, c'est l'œil. Il y a quelqu'un qui va être dans la compassion vis-à-vis de lui-même. Hein, c'est pour ça que j'ai tiré la carte de la délicatesse. Hein, vous n'allez plus être dans le rejet et dans l'injustice de vous-même. Vous allez être dans la délicatesse, hein, mes amis. Et c'est pour ça qu'on a un déplacement. Ensuite, hein, bon, ben là, ça y est, il y a les deux opposés. Ah, c'est les deux cerveaux qui se complètent, hein, on va dire. C'est aussi le yin et le yang, hein, puisqu'en fait, on a trois tétragrammes fermés et trois ouverts. Donc, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge et le chakra du cœur est totalement ouvert. Et là, visiblement, on a réparé les trois chakras d'en bas. C'est la carte numéro 11. Donc, en fait, on est sur de la médiumnité. Là, ça me fait penser à deux hémisphères, hein, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc voilà, et visiblement c'est protégé parce qu'en fait on a le triangle, enfin bon là c'est de la géométrie sacrée, le triangle, le carré, hein, voilà, donc il y a des gens qui sont en train de construire par rapport en fait à une élévation de leur pouvoir, et là on a le point rouge en plein milieu, donc en fait on est en train de faire l'unité en soi-même, hein, donc voilà, par rapport à ce que je disais en fait en début de tirage, hein, par rapport à l'unité évidemment, qui est l'unité du mental, hein, là il y a quelqu'un qui va dire non et ça va être philosophique, hein, comme avec Gaston Bachelard. Donc voilà, alors après je vais faire, hop, ouais, vous allez faire l'unité de votre de vos cerveaux, hein, le cerveau, on va dire, logique, et le cerveau, oh là, elles sont tombées les cartes, et le cerveau de l'intuition. Voilà, vous allez faire l'unité. Oh là, elle est tombée. Bon, bah, y en a plusieurs. Alors. Donc là, visiblement, bon, ben, on a un sculpteur ou une sculptrice, hein, mais bon, là, c'est un homme. Donc là, vous êtes en train de sculpter dans votre arbre transgénérationnel. Hein, visiblement, vous n'avez pas du tout envie de faire comme vos ancêtres. Hein, 61, ça fait 7. Ça concerne évidemment la lettre hébraïque Zaïn, hein, c'est le chakra numéro 3 et c'est le chakra numéro 8. Hein, c'est le chakra du plexus solaire et le chakra de la couronne. Et vraisemblablement, bah vous allez trancher, hein, puisque Zaïn, c'est une arme tranchante, c'est de l'action. C'est l'équivalent du chariot, hein, évidemment. Ça concerne de la reconnaissance, hein, ça concerne une réussite personnelle sur vous-même, ça concerne de la confiance en vous-même, hein, ça concerne un mérite. Voilà, vous étiez, on va dire, dans des énergies mentales divergentes, hein, bon, il y a des gens, je vous dis, qui ne vous ont pas aidé, mais vous allez réussir parce que vous allez faire un voyage. Alors, un voyage d'affaires, voilà, il y a quelqu'un qui se déplace, ça va être assez rapide, ou peut-être ça va être un voyage de courte durée. Et en tout cas, vous allez extérioriser une intention. Et là, on est vraiment dans la sincérité et vous allez aller sur une victoire. Parce que vous allez être délicat avec vous-même, vous ne serez plus dans le rejet.
Alors d'abord, là nous avons quelqu'un qui marche dans le désert. Visiblement, c'est le désert du sablier. Voilà, vous avez laissé passer énormément de temps et vous vous êtes perdu en vol. Visiblement, ça concerne l'histoire du petit prince avec un avion qui tombe. Voilà, il y a une chute, hein, visiblement, et là c'est le désert. Carte numéro 58, ça fait 13, évidemment. Donc vous êtes peut-être embourbé dans des situations judiciaires. Hein, on vous a tout piqué. 13, évidemment, c'est l'arcane sans nom. Et visiblement, il y a une très grosse transformation par rapport à une communication, par rapport à une femme blonde. Donc vous sonnez le gong, hein, visiblement. Mais ça peut être aussi une brune. Bon, bah là, c'est une blonde, hein, mes amis. Là, en fait, eh bien, c'est la neige. Voilà, on va dire que la situation était totalement gelée. C'est Waterloo avec Napoléon. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et là, il y a quelqu'un qui est en train d'observer visiblement une personne, hein, une personne auquel il tient. Et lui, il est sur la banquise. Il est sur la banquise. 4 et 3, 7, on est toujours sur une personne qui veut aller dans l'action. Alors, là, nous avons le mariage. Alors, visiblement, cet homme regarde une femme et vraisemblablement, il veut se marier, hein. Alors, c'est assez marrant cette carte parce que visiblement, les invités, c'est tout et n'importe quoi, hein. Voilà, et visiblement, voilà, il y a tous les pays du monde, hein. Visiblement, il y a même quelqu'un qui a un chapeau haute forme. Ah oui, il y a vraiment tous les pays du monde, il y a même un dalmatien. Bon, perso, moi, j'adore les dalmatiens, mais sans les taches. Et là, visiblement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'originalité, qui va se marier avec une personne qui n'a pas du tout la même culture. Là, en l'occurrence, c'est une femme qui a la peau noire et une belle robe blanche. Et là, visiblement, il y a un anneau en bout de course. Hein, voilà. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de regarder visiblement cela. Donc, une femme qui n'est pas de la même culture que lui. Alors là, nous avons toujours 4 et 3, 7. Hein, on est dans les 7, hein, mes amis. Ça n'arrête pas. Donc voilà, là on a 43, là c'est 34. Enfin, voyez, et là, visiblement, il y avait des problèmes d'ego. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui se mettait sur des échasses. Et donc là, vous aviez du mal à discuter ensemble, hein, parce que d'abord vous aviez des hauts chapeaux, vous étiez peut-être en réception, hein, mais vous n'étiez pas en réception par rapport à vous-même, visiblement. Et donc, visiblement, à la pleine lune, ou on va dire dans des énergies lunaires, voilà, vous étiez peut-être dans l'illusion aussi de votre vie. Vous pensiez être sur un piédestal et puis en fait, peut-être que vous avez dégringolé, hein, avec un vice de denier à l'envers. Hein. Donc là, on a dégringolé pourquoi? Eh bien, alors on a péché, hein, on a péché. Alors visiblement, on a péché, mais on n'a pas péché au bon endroit. Bon, vraisemblablement, il y a des personnes qui sont en train de se passer de l'argent. Il y a une femme brune, une femme blonde. Il y a quelqu'un qui est très panier percé. Voilà, quelqu'un qui fait beaucoup d'emplettes, avec beaucoup dans le shopping. Et visiblement, quelqu'un qui. Voilà, vous étiez dans votre ego et puis vous n'aviez pas vu qu'il y avait un tour de passe-passe avec votre argent, visiblement, entre deux femmes, une blonde et une brune. Voilà. Eh ben, dites-moi, quelle histoire. Et donc là, visiblement, ça vient de votre arbre transgénérationnel. Et donc là, eh bien, vous allez être peut-être beaucoup plus sincère avec vous-même. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc là, mais on est très très proche de la porte de Das, hein, qui est Dalet, hein, qui est la lettre hébraïque numéro 4. Voilà, chakra du cœur, chakra de la couronne, parce qu'on a énormément de 4. Je ne peux pas tout fait compter, mais enfin bon, ouais.
Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, on est avec un homme qui va aller à la campagne, qui va aller dans les alpages, qui va aller voir il y a toujours le même dalmatien, hein, visiblement. Vous avez un chien avec des points noirs, vous voyez. Et bon, c'est pas les sangs d'un dalmatien, mais bon. Et là, voilà, bah, vous allez aller dans les alpages. Voilà, ça fait très autrichien, je trouve. Et ça va être visiblement votre karma, hein. Visiblement, il y a une rencontre dans les alpages, mes amis. Carte numéro 10, hein, c'est la route du karma. Et là, vous allez arrêter de travailler comme un dératé, parce que visiblement, vous avez quand même raté beaucoup d'occasions. Donc là, cette de coupe, bon ben voilà, vous avez plusieurs possibilités, visiblement, vous regardez autour de vous. Le 6, c'est Vav. Bon ben, il y a quelqu'un qui arrête de bosser parce qu'il a son chakra du cœur qui le démange. C'est un désir de réunion, c'est une recherche d'amour, vous voyez. On a quelqu'un là qui arrête de bosser, hein, voilà, sur cette carte, parce que il y a une nana qui passe et il y a quelqu'un qui, un homme qui la suit. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est très jaloux, visiblement. Et comme on a la faux, bon bah là vous êtes en train de trancher aussi par rapport à des médisances, parce qu'en contre, on a toujours deux personnes qui sont en train de raconter des choses extrêmement négatives. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte, hein, qui le dit. Et donc là vraisemblablement vous étiez peut-être aussi dans l'illusion par rapport à, on va dire, des personnes sociales ou par rapport à vos préjugés sociaux. Voilà, bah, ça se confirme, un 2 de pique, c'est un 2 d'épée. Donc par rapport à deux femmes qui ragotent dans votre dos et visiblement qui utilisent votre argent, voilà, il y a une blonde et une brune, hein, il y en a deux. Voilà, bah, vous allez entreprendre une action visiblement, puisque 52 c'est 7. Et c'est quelque chose en fait, voilà, vous n'aviez pas vu. Et là, visiblement, vous partez dans le désert, hein, c'est les sables, c'est peut-être les sables mouvants. C'est le petit prince qui s'en va, voilà, pour réfléchir à de multiples possibilités avec le 7 de coupe. Enfin, vous avez plusieurs possibilités, visiblement. Mais là, vous êtes jaloux parce qu'il y a quelqu'un qui est suivi par une nana, quoi. Voilà. Et visiblement, c'est votre copine. Enfin, bon, c'est la nana que vous avez dans les jumelles, hein. Après, vous en avez peut-être plusieurs, j'en sais rien. Là, en fait, on est sur quelqu'un qui... Il y a une prise de conscience, visiblement, par rapport à quelque chose qu'on n'a pas vu, par rapport à deux femmes. Alors, ensuite, je continue... Alors là, nous avons le 6 de bâton à l'envers. Donc là, on a perdu son image de marque, sa notoriété. Voilà, on s'est fait traîner dans la boue, hein, c'est pour ça que la carte est à l'envers. Donc voilà, bon bah voilà, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez délicat avec vous-même, parce que visiblement les gens autour de vous ne l'ont pas été avec vous. Alors, bon bah ça concerne un 3 d'épée, donc bon bah voilà, vous êtes dans une grosse déception sentimentale, mais on s'en fout parce que vous êtes en train de regarder le futur, et le futur visiblement, d'abord vous allez faire de l'avion, et puis visiblement il y a quelqu'un qui se présente dans le paysage, et vous allez bien vous amuser, hein. Moi je peux vous dire, vous allez voyager, hein, parce que là, je veux dire, vu le nombre de personnes qu'il y a sur la traîne de la mariée, je veux dire, bon... Donc là, visiblement, 8 de pentacle, bon, bah écoutez, vous travaillez, hein, vous avez des gros biscottos, hein, visiblement, vous travaillez votre mental, hein, et puis c'est dur. Vous êtes en train de récupérer aussi l'argent qu'on vous a piqué, hein, voilà, il y a deux nanas, c'était pas très cool, visiblement. Peut-être aussi, bon, là, on a la carte du jugement, carte numéro 20.
on est dans Rech, hein, on est vraiment dans la tête, donc on est vraiment dans le mental. Et puis là, là vous sonnez le tocsin, vous dites, moi, c'est bon, de tourner dans mon mental, ça suffit. Maintenant, c'est la philosophie du non. Donc là, vous dites non à une situation et vous partez dans les alpages. Alors, ensuite, eh ben, dites-moi, alors les cartes, là, c'est même pas qu'elles tombent, elles volent. Elles volent, c'est incroyable. Alors, donc ça concerne un chercheur, hein, une femme qui a, on va dire, des dispositions psychiques, occultes, voilà, tout ce que vous voulez, évidemment. Il y a même un crâne à côté, hein, donc bon, elle peut facilement monter dans votre échelle transgénérationnelle, il n'y a pas de problème. Et visiblement, c'est une femme qui va vous aider à sculpter. Sculpter visiblement ben voilà votre à vous sortir aussi de on va dire de personnes qui vous agrippent voilà et voilà donc voilà ça concerne la cartomancie enfin sur la photo en tout cas. Bon, là nous avons une mère de bâton à l'envers avec un avec, voilà, alors bon bah écoutez, c'est la trahison hein, puisque la carte est à l'envers et en plus on a un python à l'envers sur un 3 d'épée. Donc voilà, bah écoutez, vous vous êtes fait vraiment trahir, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Ensuite, bon bah là, vous êtes dans le désespoir. Bon, vous travaillez, mais ça n'a pas donné beaucoup. Hein, voyez, hein, bon, les étoiles à l'envers. Voilà, donc vous êtes plutôt dans l'obscurité, on va dire, psychologique. Et donc là, on est sur le jugement, on est sur un 5 d'épée. Donc là, visiblement, ça se... Voilà, il y a des choses qui, que vous n'avez pas vues. Et là, le truc tombe, en fait. 2 d'épée, 5 d'épée, ça fait 7 d'épée. Donc voilà, bon bah écoutez, là vous êtes sûr que vous qu'il y a deux personnes qui vous trahissent et qui et visiblement qui jouent avec votre argent, il y a des tours de passe-passe. Hein, vous voyez, on est en train de vous nettoyer, mais vous vous en rendez pas compte. Et là, en fait, il y a visiblement quelqu'un qui est en train de vous le dire. Et peut-être que vous allez faire plus attention. En tout cas, on vous recommande de regarder votre compte en banque, hein, comme il était écrit dans le livre sur le bouddhisme au quotidien. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans ce livre. Voilà, il y a des gens qui vous prennent vraiment pour, on va dire, un compte en banque. C'est assez clair. Alors, je vais prendre mon tarot. Désolée, hein, voilà, moi c'est toujours un peu cash. Hein. Après, fait d'argent n'est pas mortel, hein, je sais de quoi je parle. Alors, bon, bah écoutez, on a l'as d'épée à l'envers. Donc là, vous larguez les amis, hein, visiblement. Et là, ça va être les sentiers de la gloire, mais il va falloir être très patient. Bon, il va y avoir une reconnaissance tardive. Vous avez un but à atteindre. Et faites attention au plagiat. Et visiblement, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous avoir volé des idées. Et donc, on vous demande de persévérer. Et donc là, vous êtes... vous étiez en tout cas avec ses amis dans les entrages et dans les conflits. Mais là, c'est terminé. Là, c'est les sentiers de la gloire. Mais un peu de patience, hein, ça va arriver, les amis. Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc là, on est toujours avec un homme qui est dans l'amour et l'amnésie. Hein. Voilà. Donc là, on vous demande d'équilibrer vos finances. Hein, voilà. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, ça va être un choix, ça concerne des budgets. Vous êtes dans l'apprentissage et donc là vous êtes dans le progrès parce que vous êtes capable de faire votre propre expertise et vous sortez de divorce club. Une situation difficile à vivre, une situation peut-être que vous avez vécue au-dessus de vos moyens aussi.
Voilà, manque d'enthousiasme, voilà, bon bah écoutez, et là vous êtes dans amour et amnésie, bon bah écoutez, vous avez peut-être des problèmes psychiques, vous êtes peut-être fatigué. Là on est sur un set, on est sur Barry Lyndon, hein, souvenez-vous de ce film, bon bah écoutez, un homme qui était, voilà, qui s'est fait à la force du poignet, et donc en fait, qui est tombé dans la disette, le manque d'argent et la solitude, alors ça peut être au niveau effectivement de votre compte en banque, de vos finances, mais aussi, aussi au niveau de votre santé. Et vraisemblablement, vous êtes dans l'enlisement et la stagnation. Ça concerne un kid, ça concerne un enfant, hein, visiblement. Voilà, parce que vous avez refusé d'écouter une situation et puis ça s'est mal passé. Et vraisemblablement, vous avez des soucis pour vous déplacer. Et là, visiblement aussi, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Et là, en fait, eh bien, voilà, ça concerne une conquête affective. Alors, ce qui est intéressant, c'est la conquête affective. Vous êtes en amour et amnésie. Donc, en fait, genre, vous rencontrez quelqu'un, mais vous ne vous souvenez pas de qui c'est. Vous voyez, c'est le genre de truc où vous êtes tellement dérangé psychologiquement que vous ne vous rendez pas compte que la personne, vous la connaissez. Vous voyez. Alors, là, on était bah, toujours à un 8 d'épée, l'amour à tout prix. Hein. Donc, voilà, vous êtes dans les regrets vis-à-vis de quelqu'un, visiblement. Et là. Alors là, vous allez vous précipiter, c'est un test initiatique. Bon. Donc là, il va se passer quelque chose visiblement. Quelqu'un va aller dans les alpages avec, voilà, vous allez communiquer. Visiblement, ça concerne une rencontre. Bon, visiblement, cette personne, cette féminine, vous la reluquez depuis très très longtemps. Vous en avez marre d'être dans la trahison avec des bonnes femmes qui en veulent qu'à votre pognon. Voilà, ou des gens qui sont tellement tarés en fait, qui vous mettent, je veux dire, vous êtes malade psychologiquement, et là, visiblement, votre butterfly, ça va être une nana qui a rien à voir avec la choucroute, hein, je veux dire, c'est assez clair. Alors, je continue. Et ça va être les sentiers de la gloire, hein, mais il va falloir être patient, hein. Que visiblement, vous avez un peu de mal à vous défaire de vos amis du passé. Visiblement, il y a des gens qui vont pas être d'accord du tout avec vos choix. Mais bon, là, visiblement, vous planez, donc vous en foutez quoi. 7, 8, 9, 10, ouais, c'est la roue du karma. Votre mariage, visiblement, en tout cas, la bague et tout, c'est. Donc là, effectivement, avec Norma, bah, vous n'êtes pas sorti, hein, voilà. Bon, à moins de dire à cette personne, casse-toi. Donc là, vous êtes dans l'invocation mystique de la lune, hein, parce que vous vivez un énorme drame. Donc voilà, un drame en deux étapes, hein, une nana qui avait l'air bien, sous tout rapport. Bon, 7 de denier. Bon, bah, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a une surface financière, sociale, célèbre, voilà. Et visiblement, cette femme vous fait un super drame, Norma de Bellini, et en contre, j'ai Casse-toi Diva. Bon, bah, dites-moi. Alors là, on a platé, 5 de denier, Jean-Philippe Rameau. Donc là, vous êtes dans la déception amoureuse, dans la tristesse. Voilà, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes et maintenant vous en avez ras-le-bol et vous décidez, Jupiter, d'aller, visiblement, vous décidez d'aller vous marier avec une petite grenouille esseulée dans un marécage. Eh bien, voilà, Jupiter veut épouser la grenouille. Donc voilà, c'est une petite platée. Et donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui est un petit peu tombé, un peu dingue, ou c'est peut-être quelqu'un qui a un petit grain de folie, hein, en tout cas, allez-y, hein. En tout cas, les gens autour de vous, bah, je veux dire, ça cause, hein, ça cause, mes amis. Peut-être quelqu'un qui est un peu amnésique en même temps. Bon, alors là, on a le valet de denier. Quelqu'un qui arrive avec un petit projet, voilà, le mort décide d'aller trouver sa mère.
Donc ça concerne des gens qui ont des origines de Méditerranée. Hein, donc vous allez trouver votre maman. Donc là, c'est peut-être des fils qui retrouvent leur mère. Vous aviez les yeux bandés. Hein, visiblement, vous ne receviez aucune réponse. Et là, visiblement, c'est par rapport à un fils. Donc en fait, c'est le dernier adieu et donc c'est une épreuve. Et visiblement, vous allez nettoyer un karma aussi par rapport à votre mère. Alors ensuite, on continue. Donc là, on a le prince Tamino est attaqué par un serpent. Donc bon, bah, écoutez, on l'a vu tout à l'heure. Hein, le serpent, c'est la mère de bâton, donc c'est votre mère qui vous attaque parce qu'elle n'est pas d'accord avec votre choix. Évidemment, la dame est noire, vous êtes beau aux yeux bleus, ça ne va pas du tout dans le paysage. Et donc là, il y a un 3 d'épée. Il y a un 3 d'épée, vous en avez marre d'avoir affaire à des gens qui vous trahissent, visiblement sur les choix que vous voulez faire. Et alors c'est intéressant parce que donc il y a trois dames qui chantent la beauté d'un jeune homme, donc c'est bien une triangulaire. Et donc là il y a un message, voilà. Et c'est un homme en fait qui est, on va dire, dans voilà, vous subissez de la sorcellerie. Hein, j'ai deux fois le cadenas doré, mais vous allez vous en séparer de cette sorcellerie et la jolie petite grenouille platée va se transformer en une belle dame. Visiblement et ça va finir en mariage. Bon, après vous êtes un peu amnésique, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est quelqu'un que, je veux dire, vous l'avez pas reconnu ou il y a un truc comme ça. 10 d'épée, la petite fille à la fenêtre. La petite fille à la fenêtre, eh bien vous êtes dans la simplicité. Vous êtes en train de, ben voilà, vous êtes en train de guetter avec vos jolies jumelles, la fenêtre de tir, voilà, je veux dire, c'est assez simple, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est sur sa banquise ou dans le désert, hein, ça dépend, et puis là, vous êtes en train de reluquer quelqu'un. Et donc vraisemblablement, eh bien, les étoiles ne seront plus contraires, visiblement, à vos souhaits, puisque... voilà, donc vous êtes à la fenêtre. Alors il y a peut-être une féminine qui est aussi à sa fenêtre. Et là vous sortez les masculins d'un burn-out et vous êtes sur le départ par rapport à un déménagement et vous sortez aussi des soumissions et des excès, hein, des excès en tout genre et de la fatigue. Alors ensuite, je vais prendre. Donc évidemment, il faut dire non au mental. Bon, ben là, on a bien un déplacement pour une réunion. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer la bague, les féminines. Hein. Attention, moi. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui n'a pas pris de connaissance. Hein. Le conquérant de l'enseignement, bon, ben, visiblement, vous avez fini de lire. Ou, puisque c'était au mois d'août. Ensuite... Bon, bah, le changement de votre vie, ce sera réellement au mois de janvier. Hein, vu qu'on a du confinement qui va arriver, je ne vous dis pas, c'est encore remis au calendrier grec, hein, cette histoire. Et là, en tout cas, vraisemblablement, avec un changement de vie, eh bien, vous allez aller vers beaucoup d'indépendance, d'organisation. En tout cas, ça va durer pendant 5 mois. Pas l'indépendance de vous organiser, visiblement. Voilà, à partir d'aujourd'hui. Alors, ensuite, et il va y avoir énormément de déplacements à partir de l'année prochaine, au mois de mai. Alors, ça peut concerner aussi du professionnel, hein, mes amis. Hein, voilà. Donc là, il y a des gens qui ont fini leur enseignement. Il y a peut-être des personnes qui vont passer des examens, vous voyez, genre de choses. Enfin, c'est ce que je vous souhaite. Donc là, vraisemblablement, c'est par rapport à quelque chose qui est difficile dans votre vie ou c'est par rapport à des blessures de votre enfance que vous allez vous déplacer
par rapport à une féminine. Hein, vous allez trouver votre mère. Vous vous déplacez aussi parce que visiblement vous avez compris avec l'enseignement que vous étiez. Voilà, c'est pour réparer un cœur, la fin, parce que vous avez eu soit une relation qui s'est arrêtée brutalement, soit une relation avec une femme qui s'est arrêtée brutalement. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans l'amnésie par rapport à ce qui s'est passé avec cette féminine. Donc là, visiblement, bon ben, changement de voie à l'envers, bon, vous êtes quand même encore dans une prison. En fait, depuis que vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous êtes dans une prison. Peut-être avec quelqu'un d'autre, visiblement, et là ça vous convient pas, donc là on est sur un changement de voie. C'est pour ça qu'on a un déplacement, il y a quelqu'un qui veut changer sa vie, et votre abondance est bloquée visiblement par une ou plusieurs femmes, voilà, et aussi parce que vous vous êtes séparé de quelqu'un visiblement qui pouvait avoir des connaissances, en tout cas des choses importantes dans votre vie. Alors, donc, y a des personnes qui soit déménagent, soit ont perdu leur maison. Hein. C'est voilà, vous déménagez parce que vous n'avez plus de maison ou parce que voilà. Donc là, vous n'êtes plus dans l'attente. Hein, donc ça se confirme. Vous n'êtes plus dans l'attente par rapport, en tout cas, à la fin d'une relation brutale. La voie du changement, c'est recevoir un cadeau. Hein, c'est évidemment allumer toutes les loupiottes de votre cerveau, mes amis. Et là, vraisemblablement, avec de l'indépendance et de l'organisation, vous allez sortir de votre dépression et aussi de votre abondance qui était bloquée. Alors, je finis là-dessus. Laisse-y retourner. Alors, là, nous avons... on a le double à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on va être dans l'unité. On ne va plus écouter son mental. On va faire comme Gaston, on va dire merde au mental, hein, la philosophie du non, voilà. Donc il y a des gens qui vont dire non, non à la dispersion, non, voilà, vous allez être dans le mouvement. Il y a des gens qui vont retirer leurs pieds des freins de leur voiture, voilà. Et puis vous étiez peut-être un peu, vous êtes un peu hermaphrodite, c'est un 8 de bâton. Donc en fait, on est aussi dans la communication. Alors, ensuite, écoutez, ça va être la montagne magique hein, de Thomas Mann. Pour ceux qui savent, c'est un 2 de coupe, c'est le début de retrouvailles après la fin d'une relation brutale. Ça concerne aussi une nouvelle rencontre ou de la réconciliation. En tout cas, quelqu'un n'est plus dans l'attente. C'est très bien. Vous êtes en train de sortir des abîmes. Donc, vous êtes en plein franchissement de l'abîme. La carte est à l'envers, donc ça concerne le chakra de la gorge. Donc vous étiez dans le silence par rapport à ça. Voilà, donc là on est entre les deux, hein. On est en train de passer. Et donc là vraisemblablement, vous êtes dans la neshama, en tout cas vous allez y être. Vous êtes dans la source, vous êtes dans l'immortalité, vous êtes dans la transmutation. Vous êtes sur la lettre hébraïque même, donc c'est 13, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom, du fou, de la mort. Vous êtes à la source. Ça concerne une femme, une impératrice. Ça concerne Shiva, Brahma et Vishnu. Ça concerne votre tradition ou en tout cas votre hérédité. Vous allez faire des rituels, vous allez être dans la réception, vous allez demander des conseils, vous allez être dans le chaos. Ça va être un chaos massif, mais vous allez arriver à maîtriser en tout cas cette situation parce que vous allez vouloir vous laisser une chance. Vous allez avoir une ouverture d'esprit différente et c'est pour ça que vous allez débloquer votre abondance. Voilà, alors je termine juste avec attendez, non, je voulais faire les anges. Allez, hop.
Vu que j'ai récupéré mes tarots, je serai content. Allez. Donc, bon, ben là, on a l'intégrité à l'envers. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. Donc, il y a des gens, ils vont être très intègres. Bon, là, ce n'est pas encore le cas, mais ça va arriver. Vous allez quitter Norma et le drame de votre vie. Voilà. Alors, donc là, bon, évidemment, la carte est à l'envers. Vous ne visualisez pas encore le succès, mais vous êtes en chemin avec un message, hein, bien sûr. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente, hein, donc voilà, il faut faire des projections, et partez confiant en son issue positive. Bon, bah, vous avez une super idée et visiblement, eh bien, l'issue sera très positive. Vous avez une super sensibilité émotionnelle, ça vous tombe dans le chakra de la couronne, c'est normal. Donc, respectez votre profonde sensibilité, c'est pour ça qu'on avait la carte de la délicatesse, hein. Car c'est un don immense pour chacun d'entre vous. Ensuite, bon, alors là, on a... Avez-vous demandé de l'aide aux anges? Donc là, vraisemblablement, il y a quelqu'un qui ne sait pas demander l'aide à ses anges. Donc, on vous dit, vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Donc, en fait, eh bien, il faut demander, évidemment, de l'énergie à travers aussi votre Neshama. N'attendons que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Bah oui, évidemment, parce qu'il faut que ça vienne du cœur et c'est le siège de la volonté, le cœur. Donc là, évidemment, chakra sacré, bon, bah, le chakra sacré, il est sacrément embourbé dans des pensées noires. C'est par rapport à votre enfance difficile, hein, c'est par rapport à votre chakra sacré, peut-être par rapport à votre sexualité. Et vous avez une enfance très douloureuse, hein, par rapport à cela, des gens vraiment pas convenables, hein, carrément des pourritures, hein, pour voilà, être assez direct. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Donc, on vous demande de devenir végane, donc de manger des légumes, d'arrêter de manger des pizzas, n'importe quoi. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Oui, il faut fuir les gens, évidemment, qui sont extrêmement nocifs, hein. On ne peut pas se fuir soi-même, mais on peut fuir les gens nocifs autour de nous, notamment des Norma de Bellini. Donc, il va falloir lui dire à cette dame, à cette Norma qui vous met dans le malheur et dans les déboires financiers, « Casse-toi, diva !» Bon, bah écoutez, ce sera mon dernier mot. Voilà, toujours intègre avec soi-même et avec sa parole. À très bientôt. Au revoir.